Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, on se retrouve pour le 9e épisode, déjà 9e épisode de Qui peut battre iPlay4U. Je rappelle rapidement le principe, je choisis un jeu gratuit sur internet histoire que tout le monde puisse participer. J'établis un score sur ce jeu et ceux qui arriveront à faire mieux que moi pourront participer au tirage au sort pour tenter de gagner un jeu vidéo. C'est aussi simple que ça. J'en profite encore pour vous remercier 1200 membres inscrits sur mon forum sur www.iplay4u.fr. Déjà plus de 500 000 visites les gars, c'est juste énorme, un grand merci à tous. N'hésitez pas, si vous n'avez pas franchi le pas, je suis avec toute mon équipe, vous aurez un tas d'infos, des exclus, des tests de jeux vidéo, de l'actu indé, bref pas mal de choses et surtout la possibilité de rentrer directement en contact avec moi et mon équipe www.iplay4u.fr. Merci aux 1200 membres déjà inscrits. Allez c'est parti, dans l'épisode précédent, l'épisode 8, je vous avais mis au défi de faire mieux Usain Bolt pour traire une vache, à savoir mieux que 9 secondes 93. Vous avez été 183 à réussir cette performance, 183 à traire une vache plus rapidement que 9 secondes 93. Une chance sur 83 donc de gagner un jeu vidéo, celui qui a été tiré au sort sur le site random.org et qui gagne donc son jeu vidéo, c'est... tu t'appelles 250 dames, j'espère que je prononce bien ton pseudo, 250 dames. Félicitations à toi, écoute, tu gagnes le jeu que tu as choisi dans ton mail. Surveille justement ton mail, tu vas recevoir normalement une clé Steam pour pouvoir t'éclater. Allez, encore merci à ceux qui laissent un commentaire d'ailleurs dans les bulletins de participation. Mais je peux pas vous répondre, vous êtes vraiment trop nombreux, 183 participations, si je dois à chaque fois dire 183 merci, je ne m'en sors pas. Ben voilà, je préfère vous le dire dans cette vidéo, merci, 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 merci aussi à toi Agnor par exemple pour ton message. Je lis tout mais voilà, je peux vraiment pas vous répondre, vous êtes trop nombreux, en tout cas merci. Allez, aujourd'hui épisode 9, on change de jeu, on va jouer au Flipper, tiens, sur un jeu gratuit qui s'appelle Crazy Ball, dont vous trouverez le lien direct dans le descriptif de cette vidéo. Alors le but est assez simple, il va tout simplement falloir jouer au Flipper. Tout le monde connaît les règles du jeu Flipper. Et il faudra donc faire mieux que moi et mieux que mon score qui est de 46 877. Ne me dites pas que vous allez y arriver en 5 minutes car moi j'en ai chié comme un rat mort. J'ai mis au moins je sais pas combien d'essais avant de faire ce score. 46 877 c'est ce qu'il faudra battre. Attention, vous allez être nombreux à jouer, ça risque de laguer au début. N'hésitez pas à attendre un peu avant de vous lancer dans l'aventure. Normalement là aussi si j'ai pas fail, vous devriez voir apparaître sur votre écran le screen qui prouve bien que j'ai réussi à faire 46 877 sur ce jeu de flipper à la con. J'ai pas envie de le... voilà, je préfère le dire parce que franchement, j'en ai bavé. S'il vous plaît, soyez respectueux, ne trichez pas, ne me faites pas de montage foireux. Allez, écoutez bien ce qui va suivre, c'est très important. Il faut prendre un screen avec la date de votre PC plus le visuel de ma chaîne YouTube ou de mon site internet quelque part sur ce screen. Pour me prouver qu'il est bien de vous. Regardez cet exemple. On aperçoit en haut sur la barre de menu ma chaîne YouTube ou mon site internet. Vous devez aussi prendre un screen de la date de votre PC qui doit être comprise dans la période de ce défi, donc entre le 28 avril et le 5 mai. Là aussi c'est pareil, si vous regardez l'exemple, ça apparaît bien. Voilà donc, une fois que vous avez votre screen comme quoi vous avez fait mieux que 46 877, vous l'envoyez à l'adresse mail suivante et nulle part ailleurs. concours@iplay4u.fr, concours avec un S. Dans votre mail, vous me mettez comme sujet défi d'iplay4u numéro 9. Vous me donnez votre pseudo d'abonné à ma chaîne YouTube ou à mon site internet. Vous me précisez aussi votre mail pour être contacté en cas de gain, votre choix de jeu parmi la liste des jeux qui arrivent. Et évidemment, votre screen. Encore merci à goclaycd.fr qui, comme tous les mois, m'aide pas mal à financer tous ces jeux que je vous propose au travers ce concours. Du coup, vous pourrez choisir un bon d'achat de 30€ sur Steam pour vous faire plaisir. Le jeu Hitman Revolution, il y a aussi Mass Effect, GTA 4 édition complète avec ses deux add-ons, il y a un pack SimCity 4. Je vous propose aussi le jeu Skyrim sur PC, Serious Sam 3, l'intégrale de Counter-Strike, il y a Metro 2033, il y a Dungeon of Dreamer, il y a Tom, il y a un compte Minecraft, il y a Project Zomboid, il y a Castle Crasher, voilà, il y a vraiment pas mal de jeux. Normalement, la liste apparaît sous vos yeux. Vous en choisissez un et si vous êtes tiré au sort, bah écoutez, je vous envoie ça directement sur Steam. Vous avez jusqu'au dimanche 5 mai pour participer. Je n'accepterai plus de participation à partir du lundi 6. Une seule participation par personne, évidemment. Ne m'envoyez pas deux screens, je ne prendrai que le premier. Ça vous laisse 8 jours pour vous entraîner. Le nom du gagnant sera connu dans Qui peut battre iPlay4U épisode 10 du dimanche 12 mai. Allez-vous faire péter le score? La réponse, c'est dans 15 jours. Et rendez-vous sur mon site internet. Croyez-moi, ça me fera plaisir, c'est très gentil. Allez, à la prochaine. Salut à tous.